Et bonjour à tous, c'est Fico pour la suite de notre let's play sur Honor Mode avec 4 voleurs. On venait de tuer les chefs gobelins, on va s'occuper de ça. On va s'occuper juste de la quête d'Alcine, voir où ça en est, vis-à-vis de Kraga. Et après, ça va être... peut-être aussi me refaire un petit peu en... Ah, j'aimerais bien tester comment ça vole quand on est invisible quand même. Là, tout le monde est heureux vu qu'on a zigouillé les gobelins. Où est ce cher Zevlor? A scout just reported. The goblins' leadership has been dead. I took a collection from all of us. Merci. It isn't much. It's not enough. Halcyn will likely. I believe he's catching. No arm, but perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to. Et voilà. Ça, c'est fait. Pas mal, objet reçu, sacre à piécer, qu'est-ce que c'est que ça? Bon déjà, on va tout là-bas, donc en attendant de pouvoir ouvrir ce petit sac, sans... Moi ça me fait plaisir! Ça c'est pas mal ça, quand on joue... Merde. Quand on joue cléric, tout ce bordel là est pas mal. Le fait de... quand on soigne quelqu'un, on gagne des HP, enfin c'est... Faudrait absolument que je fasse cette quête lorsque... Ah, mais d'abord, je voudrais tester. Encore un truc à... je dois fouiller des choses, j'ai horreur de ça. Ok, je voulais d'abord tester, voyons voir. Toi, si je te rends invisible. Comment ça se passe le vol? Genre, est-ce que ça pète mon invisibilité ou pas du tout? Non, on dirait pas. Potion de communication, bah c'est parti. Ah, mais... Je redeviens visible. Oh merde, je me suis pas vu. Je redeviens forcément visible. Ah, ça peut être utile. Pas forcément beaucoup de choses qui m'intéressent. Je vais jamais faire d'attaque à main nue, donc ça me sert à rien ça. Qu'est-ce que t'as qui m'intéresse vraiment? Ça par exemple? Les flèches ça m'intéresse toujours, les potions ça m'intéresse mille fois plus que tout. Truc de résurrection, des parchemins... Parchemin d'agrandissement c'est utile. Parchemin d'assassin imaginaire, bon je sais pas si je fais... Parchemin de fracassement c'est pas mal justement pour les yeux. Ça c'est utile, ça c'est pas utile, juste toutes mes créatures longues ça. Les flèches c'est utile. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non. Hop, allez on est parti. Ok, donc l'invisibilité me permet pas de... tranquillement péta des affaires. Lemon est là. J'espérais que l'invisibilité me permettrait au moins de faire ça, mais... Est-ce que par contre ça peut mettre... je peux me mettre dans la situation deux tours par tour et après me faire avoir le temps? Est-ce que je peux éteindre un feu de camp? Ouais, je peux éteindre. Je peux interagir un peu avec des trucs, mais pas vraiment pour... Ouais. Ok. C'est... truc à voir. Une rapière, non, c'est pas une arme légère. C'est une épée courte, ça? C'est une épée courte. Ah mais c'est une épée courte, putain! Oh, ça c'est bien, ça, arbalète 2.5. Je suis en mode compétent. Arbalète 2.5, il m'en fallait une, ça. Ça, je prends. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Putain, avec l'avantage, là, j'ai juste aucune chance de me louper. Ça fait plaisir. Par contre, ce qui est relou... Ah, y a un truc relou. L'arbalète légère, non. Non, le reste, j'en ai pas besoin. Y a pas un petit truc de potion, là? Non, rien d'intéressant. Ok, cassos.
avant. Est-ce que je peux péta l'idole de Sylvanus? Parce que là, le problème, c'est que Moll, il risque de se barrer. J'aurais dû faire ça avant. Dès l'instant où j'étais niveau 5, j'aurais dû... Ah putain, du coup, je sais pas comment va réagir le Moll, là. Ah, il est peut-être déjà avec les autres. Et du coup, j'ai plus accès à sa quête. Ça m'emmerde un peu, ça. Ça m'emmerde un peu plus que le reste. Attends, déjà... Puis son sort, on va voir comment il bouge un peu. C'est une... She shows great insolence. The Grove. I am Halsin, first jewel of the Emerald Grove. It's true, but how is this possible? Some, I'm at the Grove. I will do what. As for what you've done for the Grove, speak to Wrath. He will see to your reward. Très bien. Wrath. Mais, ça va. Oh, fais chier. Mais où est l'idole? Merde, maintenant que ça s'est barré, il n'y a plus d'idole. Ah merde, putain, j'en avais besoin pour la quête de Moll. Ah oui, donc d'accord, dès l'instant où je ramasse un truc, ça prend, enlève direct l'invisibilité, très bien. Très bien, je vois le souci, mais merde, l'idole. Ah, ça c'est chiant, ça me donnait l'anneau qui donnait plus 1 à la classe d'armure et plus 1 au jet de sauvegarde. Bah je vais devoir faire 100. Rat, c'est lui, Rat. Lui, je sais ce qu'il va me donner, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, je ne peux pas imaginer que prendre un camp full of goblins was a simp. Oui, commence pas. Thanks to you. Halsin will guide us. J'ai déjà piqué le truc, non? J'ai un doute. Mais tant que je suis en train d'y penser, clac, 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 clac. Toi. Toi, t'as besoin de deux arbalètes de points comme ça. Hop là. Voilà. Là, tu vas commencer à taper lourd. Du coup, j'ai dû débloquer le truc de Wrath tantôt. Où puis-je aller du coup? Je me suis entièrement niqué mes chances. Excusez-moi une seconde. Hop. Excusez-moi, fenêtre à fermer. Alors. Voyons voir. Quel serait l'endroit intéressant à me rendre? Soit je vais au campement maintenant, et je finis les gobelins après, soit j'essaie de faire les gobelins maintenant. Est-ce que je ferais pas un petit peu plus de ça? Il est où le Blighted Village? Il est là le Blighted Village. En vrai, j'ai l'araignée à faire là-dedans. J'ai toujours pas découvert les choses intéressantes, genre là. Il y a un truc super intéressant là. J'ai pas besoin de me faire ces gobelins, ça va pas me donner plus d'XP étant donné que j'ai réussi à passer le check. Par contre, toi, quand je t'ai... Tu vois ce qui m'intéresse? De pouvoir faire la lame enchantée. Light on my feet. Open up. Voilà. Je suis capable d'être con. Weapon can bring the deuce Sousa back. Rare find. Please.
Please. Alors, encore une épée courte. Ah. Pas mal, mais du coup... Ah, attends, ça m'intéresse ça. Parce que là, j'ai gagné deux épées courtes. Non, pas toi. Toi. Non, toi, il te faut les dagues. Est-ce qu'il te faut vraiment les dagues? Du coup, toi... Tu vas avoir les deux épées courtes que je viens de choper. Clac. Et clac. Pas mal ça, pas mal ça. Vraiment pas mal. Commence à être bien, bien stuffé là. Oh, tu fais plus 10. 10, 3... Ah, en thème favorable, ok. C'est là en thème favorable, ils sont pas tous en thème favorable. Fais chier. Et là, il faut que je mette la... l'écorce de Susurro. Ça, faut le trouver. Évidemment. Et par contre... Ça, ça se casse. Peut-être le moment de s'occuper de l'araignée, tu vois. D'abord, on va s'occuper des merdouilles autour de l'araignée. Tous raté la survie? Ah non, ils l'ont reconnu, c'était les araignées, ok. Ok, c'est pas le bon chemin ici. On va passer par la grange du coup. Enfin, pas la grange, mais... le puits, je voulais dire. Mais d'abord, il faut que je trouve le bouquin de nécromancie. Pas utile plus tard. J'ai oublié ça. J'ai oublié qu'ici il y avait absolument tout ce qu'il me fallait. Don't mind if I do. Ah. Potion de sommeil, potion de trahison, armoise. On se met bien, on se met bien. Et après, je m'occuperai de l'araignée. Je peux faire ça plus l'araignée en un épisode. Ça devrait pas être problématique. Faut que je trouve le... Oh. Something over there. C'est le meilleur endroit. Tout ce qu'il faut aussi, c'est incroyable. Alors. Là, levier. C'est ça qu'il va falloir faire un peu gaffe. Du jeton, j'y suis. Non, ça, ça. On va, à partir de là, se cacher. Tous. Je sais que là, il y a un cercueil qui pose aucun problème, il y a des objets dedans. Ah, notamment le quasite, qui sera éventuellement utile plus tard. Le racle-crotte, ça c'est dégueulasse. Mais bref. On prend tout ça, mais à partir de maintenant, on tape. Car dans ce cercueil se trouve un gardien. Il faut taper également. Le truc, c'est que si je ne fais pas ça... Je me trouve dans une situation un peu ballotte.
Ah, les dégâts contendants. Je suis plus couillon, moi, j'aurais dû. Out of sight, out of mind. Ah, mais il est pas vu, lui. Okay. What do we have here? I have a lot on my mind. And, well, in it. J'aurais peut-être dû me cacher. Échec critique, non, sans déconner. C'est vrai que c'est couillon, ça. Je devrais peut-être plutôt taper avec un des autres en premier. Lui, par exemple. Non, never mind. What path lies before me? That might be worth a look. Je dois éviter en fait que l'un s'amuse à ouvrir absolument tous les autres cercueils, ce qui entraîne un combat impossible à faire. Mais sinon, c'est très facile de les prendre un par un, les gars. Bah tout ça, du coup, on sait à qui ça va aller. Hein. Hop, la brosse. Hop les petits derniers là, il en reste combien? Cursed to put my hands on everything. Cursed to put my hands on everything. C'est vraiment les délires répliques du jeu quand c'est un putain de voleur qui parle. Aïe hop. What path lies before me? Hop là, vite. Stay on my feet. No time for mercy. Excellent, ça. Je sais pas pourquoi il est une attaque sournoise. So that's progress. Une double attaque sournoise. Mais bon. Ok, on a tout. Alors, le miroir. Speak your name. I do not if you are known to my master. Step forward and declare yourself an ally. Aucun problème. There is a pause. Allez hop, ça dégage. Ensuite, bon, ici il y a aussi des trucs intéressants à trouver, mais d'abord, on va s'occuper de ça. Hop, désamorcer. Racheter. Aucun problème non plus. On désamorce ça aussi parce que vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On ramasse ça et on se casse. Et on peut le lire maintenant qu'on est au tranquille. Enfin, on va pas le lire, mais ils vont nous dire qu'on peut pas le lire. You feel better this. You can't be serious. The voices return. They have no. Non, je l'ai ramassé.
What's pas inside? Con. Je pensais que jeter le livre, ce serait justement le tège. Que vous n'avez pas de bouclier. Ça, il y a peu de chance que je m'en sers de ça. Non, j'ai toujours besoin d'armure. Sauf peut-être lorsque j'aurai la grâce du chat, là. Ça, c'est un bon item, en vrai. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, ça. Eh, putain. J'ai oublié qu'il y avait autant de trucs là-dedans. Parchemin de feuille morte. Je l'ai. Allez, c'est bon. Ça, c'est fait. On peut sortir. Let's see what this does. Et maintenant, on va s'occuper de l'araignée et de ses petits mobs. Ça, on va pas se faire chier. Hein. Comment je peux y prendre? Bon, les petites araignées au début, ça devrait être facile. Mais l'araignée... Oh non, l'araignée en elle-même, j'ai un peu plus ou moins un plan en tête, là. Mais bon, comme tous mes plans... Ça vaut ce que ça vaut. Hein. On s'entend. Village dévasté, je disais. Alors. Hop, hop, hop. C'est long. Alright. Long. Tac, tac. Allez, au puits. Apart from an overgrowth of moss. The well looks unremarkable. Pas mal, ça. Dry stones line the wall at the bottom. Là, quand même, tant que j'y suis là, les deux là, j'aimerais bien les convaincre de. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This soul remembered. Though spoken with a different voice, you recognize. They are but echoes. They recall not a manner of speech. Thus, I lent them my rhetoric. This vessel is at thy disposal. Est-ce que je peux le convaincre? This vessel is at thy disposal. De prendre des larves ou pas? Utiliser. Comment je peux le convaincre de l'utiliser? This vessel is at thy disposal. On my way. Je sais pas trop comment je vais pouvoir les convaincre de prendre les parasites parce que j'ai besoin qu'ils prennent les parasites. Extrêmement utile les parasites. S'ils veulent pas les prendre, ça m'embête un peu. Disons que ça me champille. Bien faire de la merde, moi. Oui, il me gêne pas trop. C'est plus ces saloperies là qui m'embêtent. Kers. Ça va être impossible de l'amener à un endroit où il va pas se faire voir, lui. A part s'il fait ce grand tour là, oui. En plus, ça passe. Tu vas faire tout ce grand tour juste par ici, toi. Où est-ce que je peux te mettre un endroit pratique? Pas beaucoup d'endroits pratiques. Ah, il se fait voir. Il se fait voir. Ici, je le place comme ceci. Caché réussi. Oh là, il est trop fort. C'est lent. Et Astarion, je vais pas décider ce qu'il faisait encore. Mais il va aussi descendre, à mon avis. Alors, où est-ce que j'ai foutu Kers maintenant? Oh, Kers est là. Oh, c'est chiant ça. Un peu chiant parce que lui, dès qu'il explose. Oh, c'est un peu chiant ça. J'aurais aimé lui foutre une attaque au corps à corps, mais bon.
Ok, et Astarion, mon petit dernier, qu'est-ce que je peux lui demander? Il peut me finir ça en vrai. Hop. Voilà. Et du coup, il reste juste une araignée. Attends, elle peut voir les mecs invisibles. Comment ça se fait? Can't even catch my breath. Blood comes easy these days. Still breathing, despite everything. Tueur de monstre. C'est un avantage contre les ennemis de type monstrueux. Pourquoi t'es intoxiné toi? Attends, ça m'intéresse par contre. Toi, t'as juste une arbalète légère, mais est-ce que j'ai pas... Il me semblait avoir acheté ça. Ah, mais c'est un arbalète de guerre. Putain. Ah, dommage, parce que j'aurais réussi l'avantage contre les ennemis de type monstrueux. Mais du coup, toi, t'as l'avantage contre les ennemis de type monstrueux. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle qu'elle fait plaisir. Ok. Swift as my feet can carry me. Ah, mais elles sont toutes intoxinées là, ça suffit. Ok, alors c'est là qu'il va falloir que je sois prudent. Ou peut-être pas, tiens. Regarde, j'ai perdu le David quand même. Let's move. Les potions, on peut savoir quoi en foutre, donc ça va, mais quand même. Alors, elle est où l'endroit avec les... C'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas aussi loin. C'est là. C'est là. C'est là qu'il faut que j'aille. Petit con. Où est-ce que j'ai foutu mon perso? Mind never quiet. C'est là où il y a... Où il y a un item extrêmement utile dans là où je me trouve. A savoir des bottes. Ces bottes. Votre vitesse de déplacement. Les bottes, j'ai besoin que de ça. Genre vraiment, j'ai besoin que de ça pour me démerder face à ces saloperies d'araignées. Donc, alors, pour la grosse araignée Saras. Il y a mille façons de s'y prendre, mais nous, on va être classe. On va essayer. On va essayer d'être classe. Est-ce que lorsque je... Comme ça. Merde, non, j'aimerais enlever ça justement. J'aimerais quand même faire des tests. Don't want to draw any attention. Que je tire comme ça. Ça me laisse cacher. On my way. Donc, si je me fais discret. Je suis discret. Chut. J'ai déjà tenté une fois et je sais pas pourquoi mon perso sortait de la... Oui, voilà, il a arrêté d'être discret. Pourquoi il a arrêté d'être discret? Parce que du coup, je ne peux plus détruire ces trucs un par un. À cause de cette situation un petit peu merdique.
Alors elle, elle détecte l'invisibilité, donc ça sert à rien d'essayer de se mettre invisible devant elle. Par contre, les autres, est-ce qu'elles repèrent l'invisibilité ? Have I been this way before? Ouais, tout elle repère toute l'invisibilité. Donc, il faut que j'essaie de la buter en un tour à cause de ses œufs. I don't need any attention right now. Ok. Maintenant, on va faire du jeu. On va s'amuser avec les bottes maintenant. Toi, je veux que tu portes les bottes anti-entoilement. Nickel. Ensuite, normalement, il y en a une qui a tendance à repasser un peu par là, donc... On va éviter de prendre le risque. Elle ne regarde jamais par là. Je peux passer par derrière pour essayer de la choper, mais ça implique que je descende et que je risque de me faire choper quand même. Si lui, elle se retourne... Si elle, elle se retourne, pardon. Nickel. Bon, elle, elle a pas l'air de bouger dans une direction qui m'arrange pas, donc toi, tu peux y aller. Tu vas par là. Ok, pas mal. Ensuite. Still in control. Kers, toi, just t'arriveras à la fin, à mon avis. Dès que tout le monde sera en combat, tu seras utile. Looking ahead. Toi, j'aurais peut-être dû lui faire boire une potion à lui. Bon projet. Merde. Ah, le poison suspect, non? War. Et ensuite, Astarion, pareil. Ok. Astarion a... les bottes. Il peut s'approcher. Elle, elle détecte l'invisibilité, donc ça sert à rien... qui se cache, enfin que lui reste invisible, et toi, on va t'avancer aussi en discreto si tu rentreras en combat en secondaire aussi. Ok, je vois à peu près comment me prendre. Qui s'avance au maximum ici. Non, non, non. Quitte. Ok. Non. Ok. Toi, Astarion, mon grand, tu vas juste faire ça. Et pourquoi j'ai pas eu une attaque sournoise? Et pourquoi elle a pas pris de dégâts? J'ai loupé mon coup. Ça, c'est dégueulasse. Ça, ça, vous voyez, c'est totalement dégueulasse. Alors... est-ce que je peux lancer... parce que là, mon but, c'était de lancer ça... ici. Et normalement, elle devrait tomber. Tu veux jeûner pendant un salaud avec moi? Sérieux? Le jeu est un salaud avec moi. C'est confirmé. Je vais prendre mon temps du coup à mon avis. J'étais pas censé prendre mon temps mais... je vais me débarrasser des autres araignées à la con. Ah mais non, ça va créer ça... ça va utiliser ça, ce truc. On va essayer. Voilà, elle a essayé d'utiliser son action légendaire, ça n'a pas marché. Exactement comme prévu. Another step forward.
Ok, et le petit dernier. Toi, j'aimerais quand même que tu tires dessus. Tu vas lui double tirer dessus et après. Est-ce que je peux dire à Astarion d'enlever ses bottes? Tout à fait faire ça. Ce n'est pas de la triche, c'est les mécaniques du jeu. Vérification, j'ai mis les bonnes notes. Immunisé contre l'entraînement, parfait. J'ai mis les bonnes notes. Par contre, que lui. Son truc n'est pas détruit la toile d'araignée, ça, ça me fend un peu le cœur. Oh là là, les bons dés, j'adore. À mon avis, je vais. Ah oui, faudrait. Il faudrait, excusez-moi. Flèche de feu. Tirer. Ouais, ça va pas trop toucher la toile de l'araignée qui est en dessous. Après, là, elle est surprise en vrai, je peux. Surtout continue à taper comme ça, ça me paraît mieux. Toi, oh, t'as fini ton truc, tu peux taper la toile d'araignée un petit coup peut-être. Je peux même faire ça. Non, je vais me cacher, tiens. C'est plus malin. Toi. Ça va me faire avancer ça ou pas? Après, la toile d'araignée elle brûle, donc il y a des chances qu'elle tombe. C'est bon. Ok. La toile d'araignée va peut-être tomber. J'ai du mal à faire confiance à ça, on va dire. Alors, si je m'attaque à elle. Ok. Survival is all that matters. Il faut pas que je me fasse voir là, si je peux, ça me permettrait de continuer à avoir l'avantage. Après, est-ce qu'elle est menacée? Maintenant elle l'est. Mais est-ce que je peux? Non. Contre lequel vous bénéficiez d'un avantage. Donc également si vous avez un allié à moins de 1m5 de la cible et que vous n'êtes pas en situation de désavantage, ok. Donc il faut que j'ai un allié pas très loin. Est-ce que je peux mettre Astarion tout là-bas? Ça a l'air de pouvoir être possible. Et en plus Astarion pourra quand même taper, putain, il a déjà pris tellement cher. Est-ce que là je peux? Là je peux totalement. Attaque sur notre. Oh putain, l'attaque sur notre. Quel fou. Toi, tu peux encore taper. Ouais, je vais essayer en doublé, tiens. Ah, mais du coup, t'as pas de. Ah, en dehors de la portée normale, si je m'approche. Je vais les avoir les courtes. Ça marche pas. Ah, si, ça marche. Allez. Envie de canner. Envie de canner. These boots have seen everything. Oh, c'est dégueulasse. Je vais lancer un truc. J'aimerais bien lancer un truc. Ça sert à rien. Ah, fait chier. Bon, si en vrai je peux faire ça et tirer du coup une seule fois.
Ça se fait qu'elle a une défense aussi élevée par contre. Ah, touché. Mais deux trucs. Insupportable tout de même. Oh shit, 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 shit. Oh shit, shit, shit. Oh, à mon avis, je peux te finir. Ok. Quand même. Quand le portail, on s'en sort quand on est là. Non, ça, je ne peux pas lancer les sorts. Donc. Toi. On peut pas faire mieux. C'est bon. Allez. Ce qui est du reste. Les petites araignées de merde. C'est exactement comment on deal avec vous, Henri. Ouais. Je viens là. Au pelot. Et. Ça s'est bien passé. C'est bon que j'ai des gros dégâts. Et vous là, hop! Et ça crame! Vous avez combien de vie déjà? 4, 7, 7, 7. Behold the dance of death. Faites pas trop peur. Ouais, non, ça sert à rien de taper là, ce serait couillon. 4, 4, 6, allez. Non, pas trop, j'avoue. Nothing will stand in my way. Ah, un peu trop loin, flemme de le rapprocher, et toi. Death won't take me yet. Et voilà. Facile ce jeu. L'araignée, c'est fait. These boots have seen everything. I feel a breeze. I wonder what's down there. Alors, déverrouiller le livre ancien, c'est pas pour tout de suite. On rassemble tout le monde. Et qu'est-ce que ça pourrait être la suite de l'opération, là? Est-ce que je finis le camp gobelin ou est-ce que je vais à la fête des Tiflins un petit coup? Oh, le camp gobelin, en vrai, à part pour l'XP, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Toi, je vais te donner... Non... En vrai, c'est pas mal, ça. Ça, on va prendre ça. Toi, t'as pas spécialement besoin de ça. On va te trouver des meilleures bottes. Non, ça sert à rien. Distance de saut... Ah, c'est pour ça qu'il pouvait. Ça, c'est pas mal. Et toi, on va augmenter ouais, ta distance de saut. T'es celui qui explore, donc... C'est logique. Ok, tout le monde est là. On va pouvoir. Y'a pas des trucs au fond là? En train de. Ah voilà, un point de TP. Un peu tard, mais. Ah non, c'est toi qui t'es. D'accord. Ok, donc ça c'est fait. On va pouvoir remonter au village dévasté et réétudier un petit peu tout ce qu'on n'a pas encore fait. Ouais, pas très important, ça en a fait. Ça, on peut dire que c'est good. Quand gobelin, forcément, mais. Ouais, on va commencer à passer par. On va commencer à passer par les souterrains, en vrai. Quand des gobelins, à mon avis, c'est. À part si je veux buter tout le monde, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'y aller. J'ai
J'aimerais quand même juste vérifier s'ils sont genre à l'affût ou pas du tout. Maintenant qu'on a tué les trois chefs. Parce que s'ils ne le sont pas, je peux peut-être essayer d'empoisonner... d'empoisonner la bande de gros là. À mon avis, ils le sont. À mon avis, ils sont hostiles. Ouais, ils sont hostiles, ils sont hostiles, ils sont hostiles. Ah, pichier. Into the bloody fray. Oui, flemme. Flemme, flemme, flemme. Tout le monde est hostile. Là, ça fait vraiment beaucoup d'ennemis à buter, beaucoup trop. Je l'avoue, j'ai pas du tout envie. On va faire un petit long repos, hein, c'est pas... Light on my feet. Ça va recharger les batteries. Ça devrait mettre tout le monde d'accord, c'est pas grave si les gobelins ils crèvent tout ça. Enfin, s'ils crèvent pas, je veux dire. C'est vraiment juste de XP un peu en moins. Et c'est vraiment long, j'ai pas envie de perdre autant de temps à les faire. J'avoue, il y a plus une flemme que une non-capacité à massacrer le camp gobelin là. Mais bon. Enfin, je pourrais essayer d'assassiner un pain, mais bon. One day I'll catch a break. Quand même, comment ça se fait que t'avances aussi peu, toi? J'ai l'impression que sa vitesse de déplacement est nulle à chier alors que base. Ah, mais c'est un nain. Ah oui, je suis con, c'est un nain à la base. Il est transformé en drone, mais ça reste un nain. Toi, viens me crever un œil, toi. Seems like a good moment to talk. Parce qu'il faut que je m'occupe de Tati et Tel aussi. I was just settling in and reviewing my late the druid kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. That can't be. Oh, tell me, have you noticed any residual psionic malaise? That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you have... You, isn't it? That... If I... Oh, dear sweet. If we... Parfait. Alors maintenant que t'es là, Volo, ça vaut de la thune, je pourrais le revendre. Beaucoup de fric ça. Ouais, ça passe. Ça, bon, j'ai ce qu'il faut, mais bon, un parchemin c'est pas de mal, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, parchemin d'invisibilité supérieure, c'est très très bien, je prends, j'achète. Tac, tac, tac. Bon, après c'est provision de camp, ouais, communication avec les animaux. Not up for trading today, I'm afraid. Ça. What to choose? They should all be running. Je vais prendre un long repos et ça devrait le faire. Provision. Allez hop, tout ça au camp. Et maintenant, dodo. Nous allons faire des bruits. Something's on my mind. No, no. You know, I never thought I'd be the one they'd toast for saving. I hate it. This is awful. True. Still, I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for. I'm just looking for a little more excitement, a little more fun. By the hells. Set. Let's wait until things quieten down. D'accord, le mec, il veut Ken. Très bien. D'accord. Faisons comme ça. Indeed you will, my love.
Allez hop, dodo. Recon vite fait. Of celebration quiets to us. Though you seek repose, there is one who yearns for you in the dark. Your heart skips a beat. Ouais, c'est juste pour Ken, hein. Y a pas de sentiment. There you are. Oh, oh, oh. I've been waiting. Jamais eu cette cinématique d'ailleurs. Since the moment I set eyes on you. Vraiment? Waiting to have you. Don't I? You're here. And I don't think you want to talk. Oh, les deux petits crocs de vampire. You want to be known. To be tasted. Quel salope. What do any of us want? Pleasure. Pleasure. Yours. Quel coquin. Mine. Our collective ecstasy. That's what you want, isn't it? Qu'est-ce qu'il est poétique. To lose yourself in me. Je veux juste m'amuser un peu. Let's have some fun. C'est beau la mûre. Oh, qu'il soit obligé de se baisser. Absolument incroyable. Oulô. Je suis pas agace. Je me demande bien comment ça fonctionne. Mais bon. C'est pas tout à fait le bon sens. Interam caninos. Et canine, dans ces conditions. Oh putain, les petits panards. Putain, si je me retrouve exangu à l'aube. Mon personnage est vraiment laid. C'est fou, je l'ai vraiment fait laid comme il faut. Et cette peau bleue, je déteste. It's a poem. A gift from Cazador. He considered himself quite the artist and used his slaves as a canvas. He composed and carved that one over the course of a night. He made a lot of revisions as he went. You recall the sharp, complex lines of the script. It was written in the language of the Hells. Infernal? Who knows? The bastard was insane. Anyway, enough pillow talk. Let's go before the tieflings drag us into another mess. Ah! Pas fait gaffe à mon XP, mon avis, je dois être très très loin de lui. After all your efforts, it may be some time before you're off. I'm certain the journey. Silence. We're catching up on our puppet mark. Wait, to get this cursed any who linger are twisted by the. You're half right. You long ago. Arid from. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise. Anything is preferable to risking this. I would like. I've long sought to return to Moonrise. May Sylvanas. Voilà, ça c'est fait. Bon, voilà. Je vais me crever un œil maintenant. Comment ça? Pourquoi je suis totalement. Ah oui, parce que j'ai. En vrai, j'ai une limite de Poké. Ah, mais putain, parce que j'avais le sérum. Et par quoi? Eh, forcément, toi tu peux. Non. Toi, tu peux donner ça à Kers. Ça, on va le donner à Starion, il saura très bien quoi en faire. Ça à Verkit. Ça à Verkit. Ça à Astarion. Les trois boucliers à Astarion. Oh putain. Oh putain, ouais, j'ai vraiment. Ouais.
carte, ça. C'est rien. Il va falloir que je les vende, tout ça. Ça. Qu'est-ce que je me suis fourré toutes ces merdes dans les poches, moi. Faut que je vende, en plus. Faut juste que je trouve à qui, hein. Et là, il faut que je me... Pourquoi je peux pas me changer ? Le bouclier dont il est équipé. J'avais demandé à équiper cette merde. Ah merci. Et on devient un Gitianki. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai toujours l'amour de... Ah bah tiens, j'ai oublié ça. Et hop, vous deux là. Pourquoi vous êtes pas en armure, vous deux? Pourquoi tout le monde est en armure et pas vous deux? Bon allez, ça suffira pour ce soir. Merci à tous de vous regarder. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.